Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, on saute. Ça va Antonin? La pêche? Ouais ça va, ah, tranquille, ouais. Nickel. La pêche. Alors, nous on fait des vraies intros ici. Waouh. Alors attends, moi je suis dérangé là parce que mes weapons sont pas à fond. Voilà. Oui, c'est le jeu, le vaisseau se re-règle en fait les à zéro. Les sont pas à fond, la science lab c'est pas à fond, et l'engineering c'est pas à fond. Ça y est, c'est bon, tout est à fond, tout est allumé. On est bien. T'avais fait des customs entre épisodes. Wow, on se fait tirer dessus, Jack. On se fait saucer, pas de capitaine. Donc, comme d'habitude, hein. On est dans le noir. C'est ça. Ça sert à rien, mais c'est pour le fun, hein. C'est histoire de garder les traditions. C'est pour te rappeler que c'était comme ça quand on n'avait pas un bon générateur. Ça, bon. En vrai, attends, Atrium et Ligne. Non, on a pas besoin, on a pas besoin. Si, ça soulage quand même le réacteur. Rien du tout. Il a trop bien mon réacteur. Putain, mais comment on leur met des. Vraiment. Je pense qu'il faudrait qu'on améliore après notre. Alors, dans les choses à améliorer pour le vaisseau, c'est le bouclier. La cyberdéfense aussi qui souffrait. Parce la que fois. Tu vas voir que certains lieux, en fait, c'est cool d'avoir un bouclier qui sert littéralement de seconde armure. Oui, comme le chaos qui t'empêche de recharger. Les points d'armure servent à réduire les points de dégâts, ou du moins une grande partie des dégâts, ce qui est pas dégueulasse. C'est bon, je vais sortir du mode alerte rouge. Est bien. Non, il en reste encore. Ah bon? Ok. Oui, comme t'as désactivé ton truc, je ne sais pas, mais il en reste encore. Comment ça, j'ai tout activé moi. T'as remis ton nuit? Le HUD? Ouais, mais je vois que. Ah oui, le Bandit Cloder. Ok, il était pas porté de radar, je pense, enfin, il était pas affiché. Ou alors il t'a affiché. Non, mais. T'as pas dû faire attention à ce qu'ils sont affichés depuis le début. Oh la sauce qui prend, l'enfoiré! Ouais. Oh là là, mais t'as fait et on a pas la même. Et on n'a pas la meilleure. Et on est loin d'avoir la meilleure. Comment s'appelle la meilleure le meilleur tourelle. Pilote, hein. Parce que qu'est-ce qu'il a non, alcoolisé c'est le, ce con. Non, c'est le gunner qui tire à côté. Ok. Bah oui, mais bon, faut voir comment l'autre il nous mid check, hein. Voilà, ouais, le bulbe que t'as mis au pilotage. Moi j'ai arrêté de regarder par les fenêtres, hein. Bon, on a perdu 2/3 de bouclier, c'est triste, le bouclier se recharge, ça je te réchauffe, au secours. Ah bah non, en fait, ça va. Au tep, ça va. Donc je vais juste récupérer ton scrap, y'a pas de soucis. Ouais. Ça se passe bien. Par contre, si tu pouvais nous enlever l'alerte rouge, ce serait cool. Et je te promets que je mets le warp, aïe. J'initie le warp. On a récupéré une laser tourette. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'elle est mieux que la nôtre, c'est Mais... la question. Non, c'est les mêmes. Je trouve qu'il y a en vrai déjà beaucoup de diversité d'objets dans le jeu. J'aimerais un peu plus de lumière parce que vraiment dans le jeu t'es toujours dans le noir quoi. T'es dans le noir de l'espace permanent. Voilà, et on a des scraps à faire du coup aussi. Laser tourette, ouais. Ah, Zerat-T. Quoi ? Zerat-T. Débrouille-toi. PC client. PC client. Ah. Voilà, et tu peux sauter. Pas encore. C'est pas chargé? Si. Pas encore. Ah, ça refroidit, ok. Ouais, j'attends qu'on saute tout en bas, on sait jamais. Ça bouge pas peur. Mais là où on va, c'est une safe zone. Ok. On saute. Alors, il faut savoir que, bien sûr, Knarfang m'a attendu 30 secondes avant que je joue tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mise à jour qui optimisait l'IA. Sérieux? Ingénieur. Ouais. Donc je ne sers plus à rien dans ce vaisseau, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça, mais... Non, en vrai... Oh, en vrai, je retourne sur mon canon, moi. De toute façon, tu auras toujours besoin de moi au casino, on a bien compris. Hein. Voilà, on est dans une safe zone. Je peux charger le warp. Faut juste que je parle au. Ah, allons réparer un vaisseau.
Non, on n'a pas besoin de le réparer. Un peu quand même. Ah si. Il y a un bobo au doigt. Il y a une rayure sur la coque, j'ai vu. On peut acheter du scrap ici. Ce qui peut être intéressant. Mais ça coûte extrêmement cher. Ce que t'appelles extrêmement cher. Ça va du 1200 unités à 4560. Ça va, on peut encaisser. Hein. On peut grave encaisser la charge. Hein. Bon, je vais juste en prendre un pour voir combien ça nous en donne à 4500. Parce que le scrap est de niveau 3. Mais est-ce que s'il est niveau 3, ça en donne 3? C'est ça que je veux savoir. Je sais pas, on en a 8. On en a 8? Attends, je vais scavenge, je suis là. On en a 8. Maintenant 9. Ouais, ça vaut pas le coup. Donc vaut mieux acheter des niveaux 1, quoi. C'est ça. Donc je vais juste prendre ceux qui sont niveau 1 qui coûtent que 1000. Et puis c'est tout, on va prendre que ça. Juste comme ça, on garde un. Celui-là. C'est bon. Comment? Non, mais je rate mes scrapages. Ça me tue. C'est bon, c'est scrap de mon côté. Tout est scrap? Enfin, en bas, c'est scrap. Ok, et combien on a? On en a 13. On a 13. 13. Est-ce qu'on peut améliorer des choses? Bon, attends, on va aller au magasin. Même spécial. Si le plus important, c'est ce que tu as là. Hein. Advanced Fusion Reactor. Le reste n'a aucune importance. En fait, on peut en trouver un meilleur encore. Pas sûr. Il y en a un, c'est un réacteur légendaire chromé boosté. Ouais, dopé. Mais faut le prendre sur un boss, c'est ça? Non, il est achetable. Mais il coûte extrêmement cher et j'aimerais savoir ce que okay. En fait, t'as des équipements très rares, très légendaires dans le jeu. Tu peux y aller. Tu peux sauter, on saute, ok. T'as pas besoin de se réparer, de toute façon, on s'en fout. Franchement, on avait un bobo au doigt, je sais pas combien ça coûtait, mais on peut. Hein. Et 50 crédits par saut, hein, donc ça va. Et du scrap aussi, tu as dit, des fois on gagne du scrap. Non, mais il est déjà fait. Il est déjà fait. Ah oui, il est déjà tout full scrap, il est déjà encaissé direct. C'est ça. Trop bien. Franchement, ça valait tellement le coup d'aller au casino. Franchement, on a raqué 10 000 balles pour ça. On a trouvé un vaisseau neutre. Je prépare à sauter. Le war. Ça charge. On va le raquer. Alors, programme. Il y a aussi une fonction que je t'ai pas montré dans le jeu. Qui est sur l'ordinateur, on peut taper. Tu vas dans Search. Et on peut taper les secteurs pour savoir ce qu'il y a dedans à l'avance. Donc par exemple, tu vas taper SE479. Donc là, tu rentres le SE et tu mets 479. Et tu fais entrer. Faction ça va AOG. Chercher et ça va te dire s'il y a des trucs spéciaux dedans. Visiblement rien. Tape SE216. Hop. Il y a un Algor. C'est un Algor système, visiblement. C'est une planète. Mais en fait, je sais que il faut qu'on fasse ça parce que dans le jeu, il y a un trou noir quelque part. Je sais pas où il est, mais il y a un trou noir. Et c'est le moyen de se faire niquer. Et tu veux pas faire baouh dedans. C'est vénère. Tu fais très très mal. Bon, on saute. Non, j'ai pas eu le temps de le racketter. Dommage. C'est ta faute, capitaine. Ah, coup, 50 crédits. Que 50 crédits. On skip le war. Et voilà, maintenant on se bat. Et là, il y en a que deux. Je crois. Non, 3. Attends. Non, que 2. Mais ils ont beaucoup de PV. Et de boucliers. Il y en a des PV, c'est moins ça. En ce moment, c'est pas dingue. Hein. On voit bien. Il a l'air d'avoir un méchant incendie à bord, lui, non? Il s'est fait aligner par les tourelles. Il s'est fait aligner par les tourelles. Il y a aussi un programme qui a changé avec la mise à jour que je crois qu'on a sur le vaisseau. Qui est. Voilà. Tu te souviens du programme qui nous donnait. Ah non, ils l'ont laissé. Ok, c'est pas celui-là de programme. Il y a un programme en vente qui donnait des points de dégâts supplémentaires sur la tourelle. Qui maintenant est passé parce que c'est trop fort en points de.
refroidissement. D'accord. Et de rechargement. Mais c'est pas celui qu'on a, c'est un autre. Je crois qu'on se chauffe là, non ? Pas encore. Ok, et on va commencer. Yes. Ah, le vaisseau s'est bloqué. Surchauffe. Le vaisseau vient de se mettre en sécurité. Ah, il y a un autre bandit. Ouais, qui est arrivé, en plus. C'est moi qui ai pris le pilotage, hein. Je ne fais que faire tourner le vaisseau sous le monde. Quasiment. Allez, bouclier sa console de ouf. Ouais. C'est vraiment les boucliers qui nous la collent. Hein. Ouais, attends, je vais juste passer en bouclier statique afin que les boucliers résistent mieux au. Ouais. Ah. On la surchauffe. Ouais. On la surchauffe, hein, c'est moche, hein. C'est fini, chef, hein. Ça tient tellement encore, c'est dingue, hein. Il tient de ouf, hein. Ouais. Même en surchauffe, hein. Tu baisses quelques trucs, même s'il arrive au taquet, il refroidit tellement vite. Ah oui, j'ai vu ton truc que je pouvais scrap. Yes, je l'ai vu. Mon truc que tu pouvais scrap, comment ça? Ouais, à travers, tu sais, à travers la. Ah le oui. Couloir. C'est comme je suis encore en train d'en collecter, faut faire attention parce que ça peut être déporté, etc. Tout ça. Mais en fait, une fois que t'as un bon réacteur et un bon bouclier dans le jeu, t'es soit quasiment invincible. Ouais, ça fait le gros du taf quand même. Ouais. Ah, on a trouvé une tourelle principale. Qui est moins bonne que la nôtre. On a un thruster aussi. Qui est moins bon que ce qu'on a. Un Adelaide. Ah. Réussi. Ouais, tu peux warper. Ça saute. Ah, un processus de scrap qu'on a trouvé. Un quoi? On a trouvé un scrap supplémentaire. Ça c'est cool. Grâce au à la relique. Oh, oh non. Ah oh, ça y est, on va commencer à jouer au jeu fun. Non, les phases drones. Si je me trompe pas, c'est soit ceux qui viennent et qui te tasent à mort. Soit c'est ceux qui se téléportent. Et comment te dire que c'est très très chiant. Ah, tu veux que je descende en cale? Voilà. Silent Fast Drone. Le truc c'est que j'ai. Il ne peut pas nous détecter. Tu quoi, tu veux qu'on saute voilà. En ignorant? On va les ignorer parce que en fait. Le problème principal de ces drones là, c'est qu'ils sont relous.
Par contre, pourquoi le pilote nous aligne pas? Ah. Ok, il est un peu cassé. Aligne-nous, hein. Je nous fais sauter. Hop, c'est bon. Et là, on va arriver au magasin spécial. Celui 15% où tout coûte 60 000 crêtes, c'est ça? Celui où tout coûte extrêmement cher. Ouais. Okay. Pourquoi il y a un neutral scout drone ici? Ok. Voilà. Alors. Et là, je te conseille de regarder le magasin. Je ne peux pas le voir. Si, ah, si tu parles au magasin et que tu fais Exotic acheter... Goods. Ah, par contre, ouais. Ça tire dans le mur maintenant, c'est excellent. Amorflore virus, biohazard turette, 100% de coulant, ça coûte que 70 cred. Lol. Le Dark Drive, le fameux. La danse particule shield. Ah, on peut comparer. Non, il est moins bon que le nôtre parce qu'il se recharge moins vite. D'accord. Le fortifié d'Holoscreen, hein, qui coûte un bras. Qui pompe 19 000 d'énergie à lui tout seul. Ah, et par contre, il est fort. Hein. Comment ça, il est fort? Non, il est pas fort. Ah non, intégrité, il a pas beaucoup d'intégrité. Non, il recharge très très vite. Oui. Et il demande aussi 70% du bouclier pour nous protéger contre les abordages, alors que le nôtre ne demande que 30% des boucliers. Et ouais, donc il est un peu nul. Putain, je suis en train de tirer contre le mur, ça m'énerve. Voilà. Le CHU, Explorer. Peacekeeper, mais ouais, non, on n'a pas de canon nous pour lancer des torpilles nucléaires. On n'a pas de lanceur de torpilles nucléaires. Non. Et le expérimental, le second Hull, il a que 1 de recharge par seconde. Il recharge pas, mais alors il a une intégrité et il a une consommation dérisoire. Hein. C'est une blague. Oui, mais on ne peut pas. En fait, on ne peut pas augmenter sa recharge, même en l'améliorant. Bah, je sais, mais enfin bon, si tu augmentes sa capacité qui est ouf déjà de base. Non. Et lui, non. En fait, il est très très nul. Parce que, en fait, il lui faut au moins 350 points de bouclier pour se recharger, pour être actif, pour protéger et arrêter le tir. Et il se recharge que de 1. Oui, mais enfin, ça veut dire que, ouais, mais faut quand même le faire tomber. Il s'attend facilement à un bouclier. Ouais, il tombe il ne protège plus à 50% contre l'abordage. Tu vois, donc ouais, bon, il faut qu'il soit. S'il est à moins de 750, on se prend en abordage tout le temps. Ouais. Ah, c'est un peu à double tranchant. Parce qu'il a, quand même. Je rappelle qu'il a quand même 3 fois la capacité de notre bouclier actuel. En termes de puissance de base. Hein. Ce qui n'est quand même pas rien. Ah, ça, quel plaisir! Le tétragonal. Le réacteur en antimatière. Réacteur antimatière. L'Advanced Fusion Reactor. Le PF Antimatière Reactor. Le. On s'envoie de là. Le PF. Le PF Antimatter Reactor. La max température beaucoup plus basse. Son emergency cooldown est de moins 2, donc il refroidit beaucoup plus facilement. Non, il se met en sécurité moins longtemps. Ah, moins longtemps, ok. L'output, c'est quoi? 30 000. Ah, au lieu de 30 800. Sauf qu'il est il est deux niveaux en dessous d'une autre. Ouais, mais ça veut dire, c'est la puissance qu'il fournit. Oui. Et il consomme la même chose, donc il a une. Il consomme du 100. Il consomme pas. Bah, je sais pas, heat output, 100. C'est la fabrication de la chaleur. D'accord. Ok. C'est la chaleur sortante, si tu veux. Il a une plus grosse signature, évidemment. Et il supporte une température qui est quand même beaucoup moins élevée. Je vois pas ce que tu le trouves de bandant, en fait. Bah, en fait, c'est qu'il est que niveau 3. Alors que nous, il est level 5 pour 30 000. Il est que niveau 3. Ouais, mais en augmentation, tu le montes autant que le nôtre, là? Il monte plus haut, ouais. Bah, si déjà une amélioration ça met 2000, au niveau 4 il est déjà plus puissant que celui que nous on a.
Mais t'es sûr qu'une amélioration met 2000? Oui. Dans ce cas-là, ouais, il vaut le coup. Parce qu'en fait, le truc, je crois que le niveau max des composants, c'est 10. Ok. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut garder le nôtre et aller voir dans un autre magasin. Traverser la galaxie à la recherche d'un autre magasin spécial. Ouais, parce qu'en vrai, je trouve pas qu'il casse une patte de ouf, quoi. Enfin, t'as vu, le nôtre, il tient quasiment. Enfin, moi, je fais le kéké, là, je le laisse à fond tout le temps. On affronte 3 ennemis, il tient, quoi. Il tient quand même bien, hein. Par contre, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Après, le je sais pas combien il coûte. 34 000, là, c'est ça le... Ah oui, mais on est obligé de vendre le nôtre, c'est ça. Donc, en gros, il va nous coûter 27 948, c'est ça. C'est ça. Ça peut se tester, par quoi. Contre... Est-ce qu'on peut racheter le nôtre dans le magasin si jamais on est dégoûté? Oui. Est-ce qu'on a cette scrap pour le monter? Bah, on a 18 de scrap. Donc, on peut le monter d'un niveau. C'est ça. Et au pire, ce que je peux faire, c'est qu'au cas où, technique de juif, tu démontes le nôtre. Non, j'ai fait une sauvegarde. Ah oui, bah vas-y. Et vas-y, on peut charger la sauvegarde. Vas-y, on fait ça, on va vérifier. C'est une technique dans le jeu, parce que sinon le jeu vous encule tout le temps. Ah bah ça, ne vous étonne pas. Voilà, je viens d'échanger le réacteur. C'est donc le PF Antimatter Reactor. Ouais. Donc là, il nous coûte 13 upgrades. Voilà, et il passerait à 32 500 au lieu des 30 800 d'autres. Et ça augmente de 200 sa température. Ce qui est pas ouf. Ce qui est pas ouf. Ouais. Parce que le nôtre tankait de ouf. Hein. Donc on peut recharger la partie, ça ne va pas. Vas-y, upgrade-le juste pour voir. Moi, je vais aller voir sur ma machine vite fait ce que ça donne. Hop. Hop, c'est fait. Et 35 000 au niveau 5. Hein. On gagne 5000 points de d'énergie. C'est le Moyen-Âge. Hein. Quoi, c'est le Moyen-Âge? C'est le Moyen-Âge ici. Hein. Comment ça? Et il est à 200 aussi de température de base. Pas ouais, super, il est à 200 au lieu d'être à 314. Hein, sauf que. Parce que l'autre il est à 314. Sauf qu'il monte qu'à 2000. Enfin, je veux dire, l'autre il est à 214 de plus. Sauf qu'il monte à 2000 de plus. L'autre, hein. À presque 2000 de plus, ou à peu près 1500 de plus, puisqu'il est à 4480, l'autre. Ça change beaucoup de choses. T'as vu toi-même le bouclier dès qu'il se recharge, dans quel. C'est la panique à bord. Dès que le bouclier charge, on fait plus rien, on coupe tout. Hein. L'eau des toilettes, tout ça, y'a plus. Hein. Donc tu veux qu'on recharge la partie? Bah, toi, qu'est-ce t'en penses? Parce que normalement, c'est toi le pro gamer, hein, mais moi, je pense qu'il est moi, nul. Moi, je prendrais celui-là. Moi, je prendrais celui-là. Ouais. Parce qu'il, en fait, on gagne 5000 points d'énergie pour. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment besoin d'énergie en plus. Bah, en fait, si tu veux, déjà, rien que viens voir. Viens voir dans le magasin et regarde juste combien coûte une. Je vais dire une connerie. Prends une Lightning Tourette qui est dans les tourelles qui font les plus mal, elles sont à 12 000. Hein. D'énergie pompée. En comparé au nôtre. Ils sont à presque rien. Power use, c'est le power use, on est d'accord. Hein. Ouais. En vrai, ça consomme pas beaucoup de plus. 4500, ça change tout quand ça tire et que ça recharge. Bah, en sachant qu'il recharge moins vite, en vrai, ça affecte pas beaucoup le vaisseau. Hein. Parce qu'il met 33% de temps de plus de charge, puisqu'on passe de 4 à 6 de secondes. Pour recharger, donc ça me laisse plus de temps pour refroidir. Non, mais c'est un tir continu. En fait, je t'explique. D'accord. Ah, c'est un tir continu qui dure 6 secondes, c'est ça? Ouais. D'accord, on n'a pas son temps de. On n'a pas sa cadence de tir. En fait, ça tire pendant genre 4 secondes et ça recharge pendant 6. Sauf que pendant les 4 secondes où elle tire, elle pompe sur le réacteur. Oui, sauf que l'autre du coup va mettre plus de temps à recharger. C'est ça, et l'autre c'est juste un simple piou. Et le truc c'est que le coulant t'ose pas t'en servir, mais on a dans le jump une chance sur 3 de recharger 15% du coulant d'un coup. Non, mais ça je comprends, mais le truc c'est que tu joues sur la chance.
Parce que je te rappelle que là, jusqu'ici, je n'utilise pas mon coulant. Ça se passe aujourd'hui, on peut se recevoir des pièces plus balèzes sur le vaisseau. Tu le sais, je garde tout éclairé et ça tient. Et ça a tenu face à 3 ennemis et ils nous ont pas collé un dégât de coque. Pas un. On n'a pas pris un dégât de coque, on est d'accord, contre les 3 bandits. Eh ben vas-y, on va recharger la partie dans ce cas-là. On va non mais comme tu le sens, mais après on peut tester ça, mais je pense que tu vas t'en mordre les doigts. Alors, vas-y, on prend ça, parce que, vas-y, prends ta tourelle, on prend ça, envoie-nous dans un combat. Comme ça, après on sait si on recharge. Non, parce qu'après ça, après, je vais perdre la CU. Ah. Ah, parce que si on meurt, ça va sauvegarder sur le composant, sur la save principale, et ça va niquer tout le truc. Tu peux pas créer une deuxième save? Non. Sinon, ça va changer la programmation. C'est toi qui vas, c'est toi capitaine, c'est toi qui prends les responsabilités. Voilà. Moi, je me décharge de toute responsabilité. Je disconnecte de la partie, ça va te kicker, te renvoyer au menu, je réinvite et puis on est reparti. Super. Bah, gros jeu. Gros jeu. T'es où? Je te rejoins direct, hein. T'embête pas. C'est bon? Yes. Parce que oui, un truc qui est sympa dans le jeu, c'est que vous pouvez quitter, mais vous passez pas 15 millions d'années dans le temps de chargement, quoi. C'est juste la personne qui rejoint. Et c'est tout. Par contre, on va changer de warp drive, si tu permets. On va en prendre un meilleur. Ouais, bah c'est toi qui... Je te dis, c'est toi qui vois. Même si tu veux tester les autres machines... Bon, enfin là, 314 sur 4000... Moi, j'ai envie de dire test, hein. Prends-nous de la grosse tourelle, hein. J'ai pas envie de prendre celle-là, c'est pas les meilleures. Ouais, mais enfin, si ça tabasse plus, c'est déjà ça de prix, hein. Tu vois ce que je veux dire dans ce... Mais en fait, ouais, ce que je voudrais, c'est... C'est toi qui juge. Bah déjà, vends nos thrusters à la con et les autres conneries, là. Ils te l'achètent pas, ça? Si, si, ils les achètent. Mais ouais, je voulais juste aussi regarder les nôtres, voir au cas où ce serait pas les mieux, ce serait pas mieux, mais non, ils sont plus mauvais. Parce que moi, très clairement, j'ai des bonnes stats pour le coulant et pour le liquide de refroidissement. Et pour l'instant, j'ai pas besoin de m'en servir. En sachant que je fais le cake, hein, c'est-à-dire qu'il me suffit de couper traditionnellement ce qu'on coupe. Et on est bien, hein, genre, un truc dans l'alarme, on s'en pète. On peut l'aim assist on s'en pète, les light je les coupe pendant un combat et l'atrium c'est coupé. Non, en fait il faut que l'air des sacrées économies là. L'air filter aussi tu peux couper. Mais air filter aussi je peux couper en vrai. Parce que ouais, tant qu'on n'a pas d'incendie on s'en fout. Donc tu vois ce qu'on économise déjà. Donc si tu veux mettre quelque chose d'un peu épais sur le vaisseau en tourelle, tu peux hein. Ça tiendra hein. D'abord ce que j'aimerais faire si c'est possible c'est qu'on aille se taper le boss qui est à côté. Ok. Ça pourrait être intéressant. J'ai juste sauvegardé avant qu'on y aille. Voilà. Hop. T'as pris les grosses tourelles du coup? Attends, qu'est-ce que t'as passé un boss? Bah, je vais prendre une. Je vais changer. Prends les deux. Oh, fais pas le taquin là. Prends les deux, vends les deux autres. Si c'est plus balèze, on prend. On n'a pas l'argent pour prendre les deux autres. Hein? Pardon? C'est combien la tourelle? On peut en prendre une seule. On peut en prendre à 65 000. Hein? Sérieux? Ouais, la Lightning Tourelle elle est à 65 000. Ah ouais, j'en vois une à 30 000, je sais pas pourquoi. Parce que c'est celle qui est à les rangs 2 en fait, si tu veux. On peut ah, c'est ça que j'ai pas vu, d'accord, et toi t'étais en train de regarder les rangs 4. Voilà, d'accord. C'est ça que je regarde. Hein. D'accord. Ah ouais, t'abasses quand même un peu. Parce plus en fait, la level quand 4. Quand tu les améliores, elles prennent plus d'énergie aussi. Ok. Tu vois, bah vas-y, prends-en une. On va tester. Je prends la rang 2 au pire. On va prendre la rang 4. Prends la rang 4, vas-y, on va taper un boss. Non, la rang 2 parce qu'il nous faut de l'argent quand même pour réparer derrière. Attends, où est-ce qu'elle est installée? J'ai l'impression que c'est celle où je suis. Ah ouais, c'est là où je suis, ouais. Ouais, t'as vu la différence entre les deux? Ouais, vas-y, prends là, tu vas voir. Déjà, c'est sexy comme tir. Déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et puis, ça. Ah oui, chose à savoir, c'est que l'électricité surcharge les boucliers. Des vaisseaux ennemis, normalement. Bon, alors elles sont trop bien. Vas-y, tire avec le pupu, tu vas voir, tu kiffes. Oui. Ah, normalement... vas-y. Alors, d'ailleurs, tiens, tu sais quoi, reste dessus là. Tu veux que je tire et que tu regardes. Ouais, vas-y, tire un peu pour voir. Super, mon réacteur il s'en bat les couilles. Ouais, parce qu'il y a rien qui fonctionne à côté en même temps. Ouais. Et genre, il l'encaisse sans trop de problèmes. Tu peux warp, c'est le boss. Allez.
On warp. Alors, juste, on arrive et instant tu mets le drive à charger, comme ça on peut s'enfuir. Ok. 15% de cool en refus, tu vois. Ça, combien quoi? 15% de coulante qu'on a eu gratuitement grâce au module de sang. Ah, ah c'est le caustique corsaire. Quoi? T'es en train de te chier dessus là? Non, on voit le corsaire. Le corsaire c'est lequel? Oh putain! Ça va être relou. Faut qu'on le détruise. On peut pas l'aborder normalement. Ok. Parce que lui il va chercher à nous aborder, c'est ça? Je suis pas sûr. Il a 4500 PV, on le battra pas. 4500 PV, tu penses qu'on le sort pas? 4500 PV, 160 d'armure, 640 de bouclier avec une recharge de 30. Un réacteur qui fait du 27000. Ah, quoique leur réacteur va leur niquer en fait. Allez, vas-y, on roule dessus. Moi je dis, par chauffe. Contre, leur tourelle fait 669 et ils ont une biohazard tourette. Combien? Une biohazard. En gros, ça va réduire notre armure. Ouais, non, mais 669 elle tabasse à combien la nôtre? Elle tape moins dur. À combien? Attends, deux secondes, faut que je retourne dessus. 680 dégâts a fait la leur. La leur et la nôtre? 489. On va jouer pas. Réacteur, hein. Tu veux qu'on le tente? Vas-y. De toute façon, on a fait une sauvegarde. Ouais, on a fait une sauvegarde. Allez. Ça fait un beau final pour la vidéo, là on est déjà à 31 minutes, vas-y on y croit. Ah putain, mais pilote de merde, tu peux prendre le pilotage et appuyer sur E s'il te plaît. Et appuyer sur E? Voilà. Ouais, tu fais R sur le poste de pilotage, t'appuies sur E. Bah j'appuie sur E. Voilà, stop, c'est bon, merci. Oh, moi je crois que ces boucliers ils ont pas aimé. Non, je te l'ai dit, ça surcharge les boucliers, ça les fait sauter instant. Par contre, notre vaisseau il veut pas attaquer le vaisseau. Ah si, ça y est, il veut se battre. C'est quoi mes... Pourquoi le pivote avec... il pilote? Ah, c'est parce que c'est toi qui pilote, lâche le pilotage, laisse le pivote conduire. Ah, ok. Okay. Ah, on vient de prendre un tir de tourelle principale. Ça s'est bien passé. On a pris deux virus. On a plus de... On va plus avoir de recharge de bouclier maintenant. Ah, plus de recharge de bouclier là? Non, c'est les moteurs qu'on a perdu. Eux ils peuvent plus recharger leurs boucliers, je leur ai désactivé. Ok. On a perdu les boucliers. Ça se passe bien. À part ce que tu voudrais croire, ça se passe plutôt bien. On a pas d'incendie à l'arrière, ça gère. Okay. Non, tu verrais le... 100 secondes pour que nos boucliers se rechargent. Désactive les boucliers, coupe les boucliers pour pas que ça pompe. Je te rappelle, ils peuvent pas se recharger. Ah, ok. Un peu chaud dans la baraque, hein. On a perdu le... Ah, on... Quitte le poste de pilotage. Ah, on est dans sa zone d'affaire. C'est pour ça. En fait, il est en train de rendre notre atmosphère acide. Je prends le pilotage. Je nous écarte. Je vous allume la trium. Je tourne le vaisseau pour qu'on puisse continuer à se battre. Ok, on est là, mets une tenue, mets une combinaison, on est condamné, l'intérieur. Ah ouais, attends, pour l'instant, moi je suis dans un trième, je tiens. En vrai, je suis dans un trième, gros, moi ça se passe très bien. Je suis là, je suis bien. Salut. Je suis bien, je suis au calme. Ça va toi? Ah toi par contre, ça allait moins bien. Bah est-ce que moi j'ai pris le pilotage pour permettre le vaisseau de... Ah mais là il va se faire déglinguer à l'aim. On se fait aborder. Bien joué. Ah, ils sont en feu, leur vaisseau est perdu. Ok. Ok, il y a un bot chez nous qui a pas pris son armure. Ils sont morts. The Caustic Corsair succès déverrouillé. Voilà. Tu vois? Easy, hein. Eh, j'ai pas pu m'occuper de mon générateur, regarde, il est à 1009 de température. Il s'en est battu les couilles, frère.
Bon, on avait plus de bouclier aussi, faut dire. Voilà. Bon. Ouais, faut dire que c'est la coque qui tankait. Ouais, c'est ça. Faut dire que c'est la coque qui tankait. Je pense qu'on va aller réparer, non? Ah, on a trouvé un acide missile du coup. Oui, c'est le. Mais c'est merde! Oh et putain, j'ai raté tous mes scrapages là. J'active l'air filter parce ouais, qu'en fait vas-y, c'est vas-y, ça vas-y, clairement. Ah oui, mais putain, t'aurais dû me le dire d'ailleurs, je l'aurais remis. Mais je pensais pas que c'était ça, je pensais que c'était l'aura du vaisseau qui était vert. Mais non. Je savais pas, c'est une mécanique qui a été changée. Avant, c'est quand le vaisseau s'approchait de toi que ça faisait ça. Et l'air filter n'était pas utile, même pour les incendies. Ok. Attends, je retire l'alerte. Inventory. Tu peux scrap parce que j'ai plus le droit de scrap. Hein. Ça marche. L'acide missile qui fait du 550 et nos missiles à nous, ils font du 180. Ils sont meilleurs les gars. Ouais. Mais non, il faut savoir bien que tester à l'intérieur, vaut mieux pas être humain à l'intérieur du vaisseau. Hein. Tu digères mal. Hein. Ça peut nous permettre de récupérer des vaisseaux cette histoire. À condition que leur life support soit détruit. Dans ces cas-là, faut arrêter de viser les dommages au bouclier, il faudrait peut-être viser plutôt le support là, le survie. Ouais, hop, c'est fait. Ah, attends, non, attends, on peut pas le changer parce que c'est dans les priorités qu'il y a. Je lui ai demandé de viser l'armement. Attends, c'est le life support que je veux que tu détruises maintenant, en priorité. GG, c'est fait. Non, mais c'est, faut que je change dans ses priorités à lui. Ok. Non, mais sinon, il corrige automatiquement en fait. Ça marche. Je vous ai remis la trium, hein, si tu veux te remettre un petit coup de life, moi j'y retourne. C'est bon, moi je suis fou, moi non, je suis à pas. Fond. Je vais warper du coup. Première fois que je prends ton poste, 30 secondes. Vas-y, warp. Tranquille. Pas de soucis. Ah, j'avais pris un scanner aussi, je crois, non? Ouais, j'ai ça, je crois. Tu fais tab inventory, tu devrais le voir. Scanner, il est sur 5, mon scan. Yes. Ok. Non, c'est pour être sûr que tu l'aies bien. Ouais, parce que si comme j'ai même mis le point pour voir les déchets de. Ouais, parce qu'on a fait 2-3 petits trucs en fait d'organisation dans le. En dehors des épisodes pour pas trop emmerder, genre l'achat de matériel. Un petit peu le. Eh, hey, en ouais, tout cas, on peut s'arrêter là, je pense que c'est un beau final. Ouais, et on peut dire finalement que j'avais raison de garder ce générateur, parce que moi pendant que j'étais dans mon atrium, il a tout. Pas besoin de moi, hein. Tranquille, hein. Il m'a dit, Osef, mec, vite ta vie dans ton petit atrium allumé là, qui bouffe du 800. Tranquille, pas de soucis, ça se passe bien. Donc voilà, nickel, tout va bien. C'était très rigolo. Est-ce que j'ai de l'XP à répartir? Ouais, j'ai 2 points d'ingénierie, donc l'anti-incendie, c'est nul, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? On pense que c'est vraiment naze. Plus de vie, c'est pas mal. L'anti-incendie, c'est très bien, mais sur les très très grands vaisseaux. Tu sais, où faut traverser tout le vaisseau. Je peux utiliser l'ascenseur. Increase carrying capacity by 10, ouais, on peut se mettre ça. Est-ce qu'on a vraiment envie? Est-ce que moi je vais prioriser mes points de vie? Tes points. Non, l'armure aussi. L'armure, parce que ton corps a de l'armure. Tu as 12 points d'armure naturellement. Donc tu réduis 12 points de dégâts. Même les dégâts d'acide? Tous les dégâts. Ah, intéressant. C'est tous les dégâts. L'acide te met un certain dégât et ignore une partie de ton armure. Ah oui, t'as coupé le shield. Ah oui, d'accord. J'allais dire, oui, c'est moi, c'était non, pas de soucis, pas de soucis. Je vais nous remettre ça. C'est bon, je peux le remettre? Ouais, c'est bon. T'as pas équipé les acides missiles? Je sais, je suis en train de regarder juste avant. Dépêche-toi, capitaine, les gens attendent qu'on mette fin à la vidéo. Attends, oh, que merde, tu leur dises au revoir, capitaine. Au revoir, voilà, on a mis les missiles, adieu. Bisous, YouTube.